Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. On continue notre chapitre, la relation entre la somme d'immobilité et l'accélération angulaire. Alors, c'est parti, c'est une petite application de ce chapitre. On va étudier le mouvement d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe. Par exemple, cet exemple-là que je mets à votre disposition. Donc, il s'agit d'un solide S qui est en translation et en même temps une poulie en rotation. Donc, c'est le système mécanique qu'on va étudier. Alors, l'exercice d'énoncer l'application, on considère le système représenté ci-contre où la poulie et donc le rayon est R égal à 12 cm. Le rayon égal à 12 cm. Pour bien peut tourner sans frottement autour de l'axe delta passant par son centre O, c'est-à-dire que la poulie peut tourner autour de cet axe-là, comme ça. D'accord? Donc c'est ce que j'ai représenté sur cette figure-là. Delta passant par son centre O. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à cet axe est G delta égal à 5, 10, moins 3 kg mètre au carré. G delta, 5, 10, moins 3 kg mètre au carré. Un fil IF, pardon, inextensible, si c'est le fil, inextensible, et de masse négligeable, donc on considère qu'il n'a pas de masse, est enroulé autour de la poulie. Il est enroulé autour de la poulie. Et son autre extrémité est accrochée à un solide. S de masse M égale à 150 grammes. Donc la masse du solide S égale à 150 grammes. Qui peut glisser sans frottement. Donc on considère qu'il n'y a pas de frottement lors du glissement du solide sur ce plan incliné. L'inclinaison est considérée, bien, le plan est incliné dans l'angle alpha égale à 32 degrés par rapport à l'horizon. À l'instant t égale à 0 seconde, ce système est abandonné à lui-même sans vitesse initiale à partir d'une position prise comme origine des espaces. On prendra G égale à 10 mètres seconde moins 2. Alors, on va considérer, nous, dans notre cas, qu'on a libéré le système à lui-même à partir de cette position-là. Donc, à cette position-là, on va considérer que cette position représente l'état initial ou bien l'origine des espaces, c'est-à-dire à T égale à 0, X égale à 0. L'origine du repère se trouve par exemple à ce point-là. Alors que pour les abscisses angulaires et curvilignes, pour les points du solide, pour repérer bien sûr le mouvement du point du solide, on va considérer cette direction-là comme référence. Ça veut dire qu'à cet instant-là, à cette position-là, à cet instant, la position, cette direction sera considérée comme référence, c'est-à-dire à t égale à 0, θ 0 égale à 0 pour cette direction-là. Et bien sûr, S aussi, cette position-là, M0, on va noter M0, et S0 égale à 0. Donc, il est libéré à lui-même. Donc, il y aura, bien sûr, translation. Alors, il faut bien comprendre ces conditions initiales avant de commencer. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc, à t égale à 0, x0 égale à z à 0. Et cette direction-là sera prise comme référence des abscisses angulaires et curvilignes.
Le sens de rotation, c'est ce sens-là que je vais prendre comme un sens positif pour moi. Donc je considère que le sens de rotation représente le sens positif. Alors, bien sûr, ce système mécanique sera étudié dans les référentiels qu'on va considérer surface de la Terre. Alors, le plan, bien sûr, et l'axe appartient à la surface là de la Terre, il est fixé, considéré comme galilien. Alors, le repère qu'on va considérer, qui est lié à ce référentiel R, on va noter R, aura pour origine O, c'est la position où le solide est AT égale à 0, et bien sûr les vecteurs unitaires de ce repère I, J, c'est un repère cartésien. Donc le mouvement sera étudié dans ce repère-là, et sa base sera I, O, I, J, K. Donc les vecteurs unitaires I, J, K. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici, par ce style-là. Donc, OX, l'origine O était à cette position-là, d'accord? Et OX, dans ce sens-là, c'est-à-dire les collinaires filent à la direction du fil, et ici, c'est l'axe OY qui est perpendiculaire au plan incliné, et l'axe OZ, c'est vers moi, c'est-à-dire le vecteur unitaire K est vers moi. Alors, ça c'est X, Y, donc Z. C'est ce que j'ai représenté ici, K vers l'intérieur du tableau, et I dans ce sens, et J dans ce sens-là. D'accord, la référence de S, c'est-à-dire de l'abscisse curviligne, et MZ, M0, c'est-à-dire à partir de cette position-là, je vais mesurer la longueur, ou bien la distance parcouru par le saut de ce. Et theta, la référence des abscisses angulaires sera la direction O'M0. O', c'est le centre qui appartient bien sûr à l'axe de rotation et représente aussi le centre de la boule. Et deuxième chose, donc le fil est considéré comme inextensible, de masse négligeable, je souligne bien, inextensible. La boule tourne sans frottement, on va considérer que les frottements entre l'axe de rotation et la boule sont considérés négligeables. Aussi, le solide glisse et sans frottement sur le plan incliné. À t égale à 0, il est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire il est lâché à lui-même, donc sans vitesse initiale. V0 sera égal à 0 et θ moins 0 égale à z à 0. Donc V0, il est lâché de cette position-là sans vitesse initiale. Et cette direction-là sera considérée comme θ égale à z à 0. Et après, il est libéré à lui-même. La première question nous demande de représenter les forces extérieures exercées sur le solide. Et après, on va représenter les forces extérieures exercées sur la boule. Donc, on va commencer par les forces exercées sur S. Donc, je vais écrire le même ici. Donc, ça sera la représentation. Il nous demande seulement de les représenter. Donc, on va les représenter une à un. Alors, vous voyez bien ici, il n'y a pas de frottement. Donc, la force de frottement est nulle. Donc, il reste la réaction du plan. C'est ce que j'ai représenté par cette aiguille-là. Bien sûr, l'origine de cette aiguille-là se trouve, bien, le point d'application se trouve au centre de la surface de contact entre cette plaque de verre et, bien sûr, le solide. Donc, on va représenter, on va noter R, cette force-là, donc elle sera perpendiculaire, hein, comme ça. Donc, je vais représenter sans échelle, c'est R.
Donc la force de frottement est une, c'est-à-dire la force tangentielle est nulle, elle n'existe pas. Il y a aussi le poids du solide. Le poids du solide, je le représente par cette aiguille-là. Il sera perpendiculaire à ce plan-là. Donc je vais représenter ici. On représente tout soigneusement. Donc, point d'application sera en G, centre de gravité du solide, que je vais représenter comme ça. Donc c'est P, le poids du solide S. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est la tension du fil. C'est ce que j'ai représenté ici, ou bien j'ai modélisé ici, par cette aiguille-là. Alors, le point d'application sera le point de contact entre le fil et le solide, c'est-à-dire ce point-là, il sera porté dans ce sens-là. Donc, je vais la noter T. D'accord ? Et comme ça, j'ai représenté toutes les forces appliquées au solide S. Donc, la réponse ici. Pour le solide S, donc je vais écrire selon figure 1 par exemple. Je vais noter figure 1. Alors pour la coulée, alors la même chose, étape par étape, donc on va représenter. Il y a la réaction de l'axe, c'est-à-dire cet axe-là va exercer une force sur la poulie. Donc ça sera par exemple dans ce sens-là, il n'y a pas de frottement. Donc à partir de là par exemple, et je vais la représenter comme ça, et je vais la nommer R' pour la différencier d'une réaction du plan sur le solide S. Donc l'origine c'est le centre vers bien sûr ça c'est la résultante de ces forces là R'. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il y a aussi le poids à partir du centre de gravité la poulie, et elle sera perpendiculaire au plan horizontal. Donc je vais la représenter comme ça, je vais la noter PPT, comme ça. Je vais utiliser une autre couleur pour les forces, donc je vais la noter P', le poids de la poulie. Et après, il y a aussi l'action du fil. Donc, ça sera le point de contact ici entre le fil et la poulie. Je vais la représenter aussi comme ça. Par exemple, ça. Et je vais enlever P. Et comme ça, j'ai représenté mes forces qu'elle me demande. Alors, comme ça, j'ai répondu à la question et j'écris ici, voir aussi, figure 1. Alors, comme ça, j'ai répondu à la question numéro 1. Donc, la question numéro 2, sachant que le fil ne glisse pas sur la poulie, donc le fil, deuxième question, la première chose c'est que le fil ne glisse pas. Ne glisse pas sur la poulie. Alors, il faut bien comprendre cette donnée-là, puisque ça veut dire, c'est-à-dire que si par exemple je prends le solide à cette position-là,
Et on va revenir un petit peu à ce point-là. Donc, regardons par exemple ce point du périphérique de la peau, c'est-à-dire ce point-là. Alors, c'est ce point-là balaye un angle, par exemple, θ, ou bien ce que ça veut dire, ce qui veut dire que ce point-là va parcourir une distance donc donnée à partir de cette position. C'est ce qu'on appelle l'abscisse curvine. Elle va se déplacer de cette position, par exemple, à cette position-là, Donc, il a parcouru cette distance-là, et c'est cette distance-là qu'on appelle l'abscisse curviligne de ce point. Alors, cette abscisse-là, S, va être égale à la distance parcourue par le sol, Pourquoi? Parce que le fil ne glisse pas sur la coulée. Donc, on va exploiter ça de cette manière. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un point du périphérique va parcourir une distance S de T qui va être égale à X, X de T à partir, par exemple, de S égale à Z à 0, bien sûr. Donc, ça projette en général. Donc, pendant une durée delta T, S de T va être égal à X, C'est-à-dire, je vais expliquer bien ce point-là. Donc, si ce point-là parcourt cette distance, selon, par exemple, de cette position-là, il passe à cette position-là. Donc, cette distance-là sera égale à la distance parcourue par le centre G, bien sûr, de l'issue du sol. Donc, cela veut dire que S de T égale à X à X de T. Alors, la question au cours du mouvement, donc, sachant que le fil ne glisse pas sur la coulée au cours du mouvement, exprimer l'accélération A du soleil S en fonction de R et θ. Alors, expression de l'accélération de A en fonction en fonction de R, c'est-à-dire le rayon de la poulie, et θ du point, c'est l'accélération angulaire. Alors, à partir, donc c'est là on va noter 1, donc 1 va nous donner. Si je dérive cette relation-là par rapport au temps, je peux retenir que D de S de T par rapport à T va être égal à D de X de T sur D de T. Je dirais par rapport au temps. Alors, on sait que la relation entre l'abscisse curvilin et l'abscisse angulaire qui était S de T à chaque instant égale au rayon de la trajectoire d'un point du périphérique de la poulie, bien sûr, fois θ de T. Donc je remplace cette relation-là dans cette expression et j'obtiens D de R θ de T par rapport à T égale toujours D de X de T sur D de T, ce n'est que V de T, c'est-à-dire la vitesse linéaire du saut du solide, c'est-à-dire la vitesse du saut du solide. Alors, R égale à un constant. Le rayon de la trajectoire reste constant au cours du mouvement. Donc, je peux écrire que R, dès la dérivée par rapport au temps de θ sur d de t égale à V de t.
Et cela va nous donner R θ de point, c'est-à-dire la vitesse angulaire, θ de t, va être égale à V à V de t. Je dérive une deuxième fois cette relation-là et je obtiens donc je dérive 2, donc je vais rentrer 2. Cette relation-là, je vais rentrer. Je dérive 2 et j'obtiens d2r θ point de t sur d de t égale à d de v de t sur d de t. Donc, à partir d de v sur d de t, ce n'est que l'accélération. Ce n'est que l'accélération a. Donc, je peux écrire égale à a de t. R est constant aussi, comme on a signalé tout à l'heure. Donc, j'obtiens directement R d de t par point de t sur d de t égale à a de 2t. D de t par de point, la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, ce n'est que l'accélération angulaire. Et comme ça, je peux écrire que R θ de point de t jusqu'à l'instant égale à a de 2t. Et je trouve directement la relation demandée entre l'accélération a égale à R θ de 2 point. Donc c'est la réponse demandée. Ça c'est pour la question numéro 2. Alors, la question numéro 3. Calculer l'accélération angulaire θ point de la poulie. Alors, pour répondre à cette question-là, je vais effacer ça et pour avoir un peu d'espace, je vais noter à part ces relations qu'on a trouvées. Par exemple, on va ici là, S égale à Rθ et A égale à Rθ, parce qu'on aura besoin à après. Alors, on passe, comme j'ai dit tout à l'heure, à la troisième question, l'accélération angulaire θ de point de la poulie. Alors, pour arriver à l'expression de l'accélération angulaire, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique au système orbien à la poulie. Donc, pour appliquer la deuxième loi de Newton en général, donc il faut tout d'abord choisir un référentiel galiléen pour étudier le mouvement de la poulie. Donc, le mouvement de la poulie sera étudié dans ce référentiel qui est lié aux surfaces de la Terre. Donc, avec le repère lié à ce référentiel, c'est le repère cartésien OIG. La deuxième chose, bien sûr, qu'on va choisir, donc, c'est le système étudié. Donc, système étudié, donc on va étudier la poulie. Donc, c'est la poulie. Je change si tu veux. Alors, après avoir choisi le système étudié, on va faire le bilan des forces. On a déjà fait ça à la question numéro 1. Les forces extérieures, bien sûr, exercées sur la poulie. Donc, on ne voit plus ce solide. Donc, le solide, on laisse à part. Donc, on va étudier maintenant les forces extérieures appliquées à la poulie. Donc, les forces sont déjà là. Donc, on a P', le poids, et on a aussi la tension, la file, P', et bien sûr la réaction de l'axe qui est R, RT. Après,
On applique la deuxième loi, donc le principe fondamental de la dynamique, ou bien la deuxième loi de Newton, de l'écart de la rotation. Comme on a vu au cours, c'est l'expression de cette loi-là, c'est la somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées à la poulie par rapport à l'axe de rotation delta égale au moment d'inertie la poulie fois l'accélération angulaire. Alors, calculons tout d'abord 6 moments de ces forces. Donc, on aura le moment de P' par rapport à delta, et on aura besoin aussi du moment par rapport à delta de F, R', et le moment par rapport à delta, le moment de la force qui reste, c'est T'. Alors, en général, pour calculer le moment, bien pour trouver l'expression du moment, il faut choisir un sens positif de rotation. Dans notre cas, on va choisir le sens positif confondu avec le sens de rotation, c'est-à-dire comme ça, dans ce sens-là. Donc, ça sera égal. Donc, pour P', il passe par l'axe de rotation, la direction de B. Il y a l'intersection entre cette direction-là et l'axe de rotation. Donc, la distance entre l'axe de rotation et la direction de P' égale à 0. Cela veut dire que le moment de P' égale à 0. Alors, pour R' aussi, la direction de R', il y a intersection avec l'axe de rotation, donc ce moment-là aussi, il est nul. Alors, pour le moment par rapport à delta de T', puisque la direction de T' est perpendiculaire à la direction de rotation, voici la direction de T'. Voici l'axe de rotation, ils sont perpendiculaires. Puisqu'ils sont perpendiculaires, donc l'expression sera plus ou moins l'intensité de T' fois la distance qui sépare la direction de T' et l'axe de rotation qui n'est que le rayon de la poulie. Donc fois R. Alors, puisqu'on va choisir plus ou moins, donc on voit que le sens de T' est dans le sens positif. Donc T' aide le mouvement, donc il ne contrarie pas, il ne résiste pas au mouvement de la peau, de la poulie. Donc il est positif. Donc ça sera plus T' fois R. Comme ça, notre expression. On va noter 3, cette relation-là. Donc 3 va nous donner donc 0 plus 0 plus T' fois R égale à G delta. Et comme ça, je peux arriver à l'expression de l'accélération angulaire égale à T' fois R sur G delta. Mais T' est inconnu. Il faut trouver l'expression de T'. Alors pour ce faire, il nous faut tout d'abord étudier le mouvement de S, du solide S, et appliquer la deuxième loi de Newton, mais maintenant pour le système qui est le solide S. Donc je vais réserver cette, je vais poser cette relation en bas pour effacer cette partie-là et refaire l'étude du système qui est sur le solide S. Donc je vais l'écrire ici parce que je vais l'utiliser après.
pour trouver l'expression de l'évapeur. Donc, c'est égal à T' fois R, G, T. Et je vais chercher l'expression de T. Alors, je vais laisser de faire comme ça. Donc, maintenant, le système étudié, c'est le solide S. Le solide S. Bien sûr, le référentiel d'étude, c'est toujours le référentiel lié à la surface de la Terre. Et bien sûr, le repère ROIGJ. Alors, le bilan des forces extérieures. Donc maintenant, j'étudie aussi le solide. Donc GP, expression GP. Et j'ai aussi R et j'ai aussi T, la tension de la fibre. Alors, après, j'applique le principe fondamental de la dynamique dans le cas de la translation. Alors, dans le cas de la translation, on a déjà vu l'expression, c'est la somme des forces extérieure appliquée au système, bien sûr, égale à la masse du système fois l'accélération du centre d'inertie du solide. J'écris l'expression, je remplace la somme des forces, j'ai trois forces, donc ce sera P plus R plus T égale à M à N. La méthode qu'on a déjà vue, l'étape suivante, c'est de faire la projection sur la direction des trois axes du repère, dans la direction I et dans la direction J, dans la direction de K. Alors, pour cela, je vais tout d'abord écrire les expressions de P et de R et de T dans ce sur les composantes de ces forces-là dans ce repère-là. Alors pour T, si je fais la projection, donc je vais faire la projection selon X, ça va me donner ça. Donc ça c'est PX. Et dans la direction de OY, direction de y, direction là, elle va me donner là, cette expression. Bien, cette projection comme ça. Donc ça, c'est P, Y. Alors que suivant K, il n'y a pas de composante, puisque P se trouve dans ce plan-là, et l'axe Z est perpendiculaire à ce plan. Donc je peux l'écrire sous cette façon-là, PX, plus P et Y. Alors pour PX, ça sera, puisque la projection est dans ce sens, dans le sens de I, donc ça sera plus le module, donc ça sera plus le module de PX fois la direction I. Alors pour Y, c'est dans le sens contraire de J, donc ça sera ça. Donc, moins le module de PY fois J. Et bien sûr, je peux ajouter plus 0 suivant K. D'accord? Alors, l'expression de module de PX. Cette direction-là que j'ai fait, donc si c'est là. Donc de là jusqu'au là. Donc cette distance, là. Alors, cette distance-là, c'est combien? Donc on a cet angle-là, c'est alpha. Donc ça, c'est alpha. Et je peux obtenir que ça, c'est alpha. Et comme ça, j'obtiens que PX, ce n'est que le sinus, donc oui, c'est le sinus, donc ça sera égal
mg sinus sinus alpha fois phi. Moins, plus, moins, ça sera moins. Alors que pour P et Y, ça sera l'opposinus. Donc ça sera moins mg cosinus. Moins mg cosinus alpha, bien sûr, suivant, suivant g. Et 0, suivant, suivant. Cela veut dire que les composantes de P sont suivant I plus mg sinus alpha. Et suivant au Y, c'est moins mg cosinus, cosinus à alpha. Et suivant au Y, ce sera égal à Z, égal à Z. Ça, c'est pour P. Alors, pour R, l'expression de R, alors pour R, la projection selon au X, c'est Z, 0, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe, il est porté par O, OY dans le même sens que OY. Donc on va obtenir suivant I0, suivant I, plus le module de R, suivant J, plus 0, suivant, suivant A, puisqu'il se trouve dans ce plan qui est perpendiculaire au sens ou bien à la direction de O. OZ. Alors, pour, donc ça va nous donner directement que R, les composantes de R suivant I c'est 0, et suivant R c'est, suivant J c'est R, et suivant A c'est Z, c'est 0. Et ce qui reste, c'est T. Qui prime, petit, c'est T, c'est pas petit, c'est T. Alors, pour T, T est porté par la direction X, mais dans le sens contraire, donc ça sera moins le module de T suivant I, plus, alors suivant OG, la projection c'est Z, c'est 0 suivant J, et plus 0 suivant, suivant. Alors ça c'est un petit rappel pour trouver les composantes de cette force-là. Alors, maintenant, je reviens à cette relation-là pour faire la projection. Donc, projetons cette loi, suivant OX et OY, et au Z, suivant I, suivant, ainsi de suite. Alors, ma projection pour P, suivant, je vais commencer par la direction X. Suivant la direction X, P a pour composante mg sinus alpha, donc ça sera mg sinus alpha, et pour R, suivant X, c'est 0, et T, c'est moins T. Donc, ça sera moins T. La densité est positive, hein, T. Donc, égal à M à X. Égal à X. Et suivant au Y, j'obtiendrai pour P, c'est moins MG cosinus alpha. Moins MG cosinus. Pour R, c'est R plus R, et pour T, c'est Z, c'est 0, égal à M à Y. Et bien sûr, on sait que le mouvement ne se fait pas du solide suivant au Y. D'accord? Il reste sur le plan, donc il n'y a pas de mouvement dans cette direction-là, c'est-à-dire que l'accélération à Y, là, Z, égal à 0. À partir de ça, j'arrive à cette relation-là, que R égale à mg cosinus 1. Alors, suivant OZ,
suivant OZ, la projection toujours, la composante de P suivant EZ c'est 0, donc plus la composante de R c'est 0, plus 0 égale à MAZ. Cela me donne que AZ égale à Z à 0 aussi. D'accord? Alors, comme ça, à partir de cette relation-là, où je vais noter 4, j'arrive à trouver l'expression de T. Donc, cela va me donner que T égale à Mg sinus alpha, T égale à moins M à AX. D'accord? Et puisque AZ et AY égale à 0, puisque l'expression de A, c'est AX suivant I plus AY suivant J plus AZ suivant K. Donc, dans notre cas, A égale à AX fois X, c'est-à-dire pour AX, c'est A égale à A. Donc, ça sera égal à Mg sinus alpha moins M M. Alors, d'après cette démonstration-là, on trouve l'expression de T qui égale à Mg sinus alpha moins moins. Alors, à quoi ça sert ça, tout ça? C'est notre objectif était de trouver l'expression de T'. Alors, quelle est la relation entre T', la tension des fils en ce point, et la tension des fils en ce point? Elles sont égales. Pourquoi? Donc, il faut justifier. On a d'après l'énoncé que le fil est inextensible. Qu'est-ce que ça veut dire le fil est inextensible? C'est-à-dire que la tension du fil en tout point est la même, c'est-à-dire que tous les points en même tension. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, puisque le fil est inextensible, donc inextensible, cela veut dire conservation de la tension tout au long du fil. Cela va me donner que T prime égale à T. Et c'est ce que je cherche. Donc, puisque T prime égale à T, qui est égal, bien sûr, à l'expression de T qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, T prime égale à Mg, égale à Mg sinus alpha moins MM. Donc, je remplace l'expression de T prime par son expression, là, et je tombe directement sur l'expression de θ de θ. Voilà. Je peux développer ça un tout petit peu, et j'obtiens que T' égale. Donc, ça sera M en facteur G sinus alpha moins A. Et on a trouvé tout à l'heure que A égale à R θ. Theta point, theta 2 points, pardon, donc égale à R theta 2 points. Donc je remplace dans cette expression-là, et je simplifie pour trouver l'expression de theta 2 points. Donc je vais effacer là, on n'aura plus besoin, pour continuer sur cette partie-là. Alors, comme ça, j'obtiens θ de point égale à T prime,
je remplace par son expression M fois G sinus alpha moins R theta 2 du point. Donc ça c'est l'expression de tipping. Donc fois R, faites bien attention, détaillez les étapes pour ne pas faire des erreurs qui peuvent entraîner qui aura des effets sur theta 2 point. Alors on va faire ça en facteur pour factoriser par theta 2 point et trouver l'expression. C'est ça ce qu'on va chercher. Donc theta 2 point. Donc je vais simplifier les choses ici pour ne pas perdre du temps. Donc en factorisant, vous trouverez cette relation là directement. Alors, ce qui est important ici, G c'est une constante, sinus alpha constant, R constant, G delta aussi constant, la masse constante, R constant, cela veut dire que l'accélération angulaire est constante. Donc c'est ça ce qui est important. Donc on a trouvé l'expression de l'accélération angulaire. C'est ce qui est donc. Donc je passe à la question numéro 4. Donc déduire la nature du mouvement de la poulie et écrire l'équation horaire θ de t de son mouvement. D'accord. Alors pour déduire la nature du mouvement, c'est facile directement. Donc on a dit que θ de point il est constant, c'est la question numéro 4. La nature du mouvement de la poulie. Alors, theta de point égale à une constante. Cela veut dire directement, on peut dire que le mouvement de la poulie est un mouvement de rotation. Un mouvement de rotation uniformément varié. Comme ça, on a trouvé l'expression de la nature du mouvement. Elle nous demande de trouver l'expression de θ de t. Donc, je vais effacer là. Expression de θ de t. Alors, toujours au cours par exemple, des examens ou bien du concours, détaillez bien votre solution et bien présentez votre feuille. Ça joue un rôle important. Ça aide bien le correcteur et elle comprend bien que vous avez bien compris les choses. Alors, expression de theta de t. Alors, j'ai oublié tout à l'heure parce que la question 4, calculer, hein, il faut faire l'application numérique. Hein, n'oubliez pas l'application numérique. Moi, j'ai oublié. Donc, il y a un autre monde de calculer. Donc, il faut faire l'application numérique. Donc, faites l'application numérique. Il est constant. Donc, ça sera une valeur. Et n'oubliez pas d'utiliser le système international et l'unité sera radian seconde moins. Système international, n'oublie pas R, il est donné en centimètres, il faut convertir en lettres. Hein. Faites attention à ça. Là aussi, la masse est donnée en grammes, il faut convertir en kilogrammes pour trouver le bon résultat. Alors, on passe à l'expression de θ de t. On a θ point, il est constant, donc en faisant
bien une intégration, ou bien en cherchant la fonction primitive, donc on trouve que θ du point, à partir de cette expression-là, elle est constante, ça sera d sera θ du point, elle est constante, donc d plus θ point z 0. La vérité semble à l'état initial. D'après les conditions initiales, on a déjà que A t égale à 0, il n'y a pas de vitesse initiale, ça elle est donné. Plus θ point 0 égale à 0. Donc ça sera égal à 0 radian seconde moins 1. Donc cela va vous donner l'expression de θ point de t égale à θ le point fois point t. Donc ça c'est l'expression de θ. Bon, je vais noter cette relation 5, par exemple. Alors, en faisant une deuxième intégration, en cherchant la primitive pour θ point, donc cela va nous donner θ de 2t. Donc ça sera égal à 1 demi, ça on le sait directement. Ça c'est la primitive de A, de AT. De AX comme vous faites en mathématiques, donc ce sera 1 demi θ de point t au carré, bien sûr, mais n'oubliez pas plus θ 0. Θ 0. Alors, pour θ 0, on va utiliser aussi les conditions initiales, à t égale à 0, θ 0 égale à z égale à 0, donc ce θ 0 là égale à 0. Et j'obtiens θ de t égale à 1 demi θ de point et au carré. Alors une petite remarque, vous pouvez remplacer ce θ de point par sa valeur que vous avez calculée lors de cette partie-là. Et comme ça, on a répondu à la question et nous aurons θ de point. Voici l'expression de θ de t. Alors on passe à la question numéro 5. Il nous demande de calculer à l'instant de date t1 égale à 10 secondes la vitesse en vue angulaire θ point à l'instant t1. T1 égale à d à 10 secondes. C'est-à-dire à cet instant-là, combien elle est égale à la vitesse angulaire de la poulie. Donc vous allez utiliser la relation numéro 5. Donc à partir de 5, la relation 5 va nous donner, je remplace t par t, par t1. De t1 égale à θ de point, j'en ai déjà trouvé la valeur, fois t1. Donc, si je fais l'application numérique, directement, on trouve θ de t1. Je remplace θ de point par sa valeur, et je multiplie par d secondes, par d discounts. Donc, et on fait l'application numérique, j'ai pas fait l'application numérique, donc, et le résultat sera en radians secondes moins. Faites bien attention aux unités. Ça, c'est pour la question A. La question B, elle nous demande de chercher le nombre du tour effectué par la poulie à cet instant-là. Donc, le nombre à t1 égale à d à 10 secondes. Donc pour trouver le nombre de tours, il nous faut l'abscisse en vue angulaire. Donc j'ai θ de t1 à l'instant t1. À l'instant t1, quelle est l'abscisse angulaire? Alors à l'instant, j'utilise donc cette fois-ci la relation numéro 6, l'équation horaire, exprimée en fonction de l'accélération, pardon, de l'abscisse en vue angulaire. Donc ce sera 1 demi θ de point t1 au carré. Je fais la même chose, application numérique, et je trouve θ de t1 égale à 1 demi. Je remplace θ de point par sa valeur que j'ai trouvée à la question, à cette question-là, 3. Et je multiplie
pas discorde à la puissance vocale. Faites bien attention aux unités, système international seconde, état de bon radio seconde au moins 2, et comme ça, je trouve, je n'ai pas fait application aussi, et je trouve l'expression, bien cet angle-là, en radio, hein, en radio, c'est un angle, c'est un angle, donc en radio, en radio. Donc là, c'est la 608. Mais la question, on demande au nombre du tour. On sait qu'un tour correspond, bien sûr, à 2 à 2b. Donc si j'ai cette 6 angulaire, mon nombre de tours, donc son nombre de tours, là, je vais l'appeler par exemple n. Donc mon nombre de tours sera n égale à theta de point instant t1, où je vais diviser par 2b. Et je fais là aussi l'application numérique et je trouve n égale, mais cette fois-ci c'est en tour, le nombre de tours que la conduite a effectué. Et comme ça on arrive à la fin de cet exercice. Il est un petit peu long, mais c'est bon pour un petit peu exploiter ce qu'on a vu en cours. On se verra inchallah pour un autre exercice sur le même sujet la séance prochaine, bien la vidéo prochaine. Alors avant de se quitter, je vais signaler deux points. Je veux d'abord remercier mon encadrant qui a accepté avec plaisir de consacrer son temps précieux pour un petit peu jeter un peu d'œil sur mes cours ou bien sur ces vidéos avant de les partager en public. Deuxième point, c'est que ce que je vous présente sur ma chaîne n'a rien à voir avec ce que je présente à mes élèves, bien sûr, officiellement ou bien au cours de mes cours, ou bien au cours de mon travail officiel. Alors je leur présente leurs cours aussi avec des vidéos, bien sûr, comme ça je ne partage pas des vidéos de YouTube, mais je fais des vidéos en direct dans leur groupe. Donc ce que je vais dire, c'est que mes cours sur ma chaîne ne peut pas substituer les cours que je présente à mes élèves. Les cours que je présente à mes élèves, c'est une chose, et ce que je présente ici, c'est une autre chose. J'espère bien que mes cours vous ont été utiles et vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner et de partager le bon contenu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.